Bonjour, je vous présente aujourd'hui une villa vue-mer située sur la côte pacifique du Costa Rica. C'est parti! Cette villa, située sur un terrain de 590 mètres carrés, mesure 85 mètres carrés. Elle se compose donc de sa résidence principale, d'un jacuzzi et de deux parkings qui se trouvent en contrebas du terrain et sur lesquels je reviendrai plus tard. La maison se compose de deux chambres, une salle de bain, un grand salon, une cuisine aménagée et une terrasse qui aujourd'hui est ouverte, qui est grande, qui doit bien faire une vingtaine de mètres carrés, mais dont je pense qu'elle gagnerait à être fermée avec des baies vitrées, ce qui ferait une fenêtre supplémentaire et permettrait d'agencer, d'améliorer énormément l'agencement de la maison. Comme vous avez pu le voir sur les prises de vue, cette villa est située dans un joli quartier résidentiel de Samara, non loin de la plage. On est entouré par de nombreuses villas d'étrangers qui sont perchées dans la nature et cachées dans la nature. Elle offre une très jolie vue mer, ce qui est un gros plus pour pouvoir en faire quelque chose de commercial. Alors, à cette propriété, je vois trois possibilités. En gros, on peut en inventer d'autres, hein. Soit celle d'en faire une maison pour des retraités ou des rentiers qui veulent vivre ici tranquillement en bénéficiant d'une jolie villa. Soit celle de pouvoir louer cette maison à la semaine, ce qui est très rentable à Samara, sachant qu'on est là en station balnéaire. On n'est pas dans une station balnéaire de surfeurs, on ne surfe pas à Samara, on surfe à Buena Vista, à 3 km de là. Mais c'est une station balnéaire qui fonctionne très bien, qui est assez remplie en plein été parce qu'elle a une très bonne réputation. On peut aussi en bas utiliser les parkings existants pour faire des cabinas ou encore mieux, de mon avis, garder les parkings, mais comme ils bénéficient d'une structure extrêmement solide, sur le dessus, venir construire deux cabinas. Il n'y a pas de problème, les parkings sont extrêmement solides, les cabinas c'est quelque chose de léger, ça pose absolument aucun problème de monter deux cabinas qui feraient chacune 20 et quelques mètres carrés, hein. Donc qui pourraient tout à fait être loués la semaine. Concernant cette villa, il faut le reconnaître, elle a besoin de travaux de rafraîchissement. Elle est habitée que quelques mois par an, donc automatiquement, vu le climat, quand il se met à pleuvoir, ça s'abîme un petit peu, il faut refaire des peintures. Et elle aura besoin de quelqu'un qui
saches l'agencer un peu. L'agencement intérieur n'est pas exceptionnel. Il y a des choses à revoir, mais bon, c'est pas très compliqué parce que la base est bonne. Il suffit de taper un peu dans un mur à un moment, changer un tout petit peu la disposition des pièces pour arriver à en faire quelque chose de très joli. Voilà ce que je peux vous dire. Je considère que cette maison est intéressante parce qu'elle est une maison à usage multiple. On peut en faire pas mal de choses différentes et surtout, elle bénéficie d'une très jolie vue mer et ça, c'est un gros plus au Costa Rica. Si vous souhaitez la visiter, je suis à votre entière disposition pour la villa.